héritier de Wubu, avait suscité beaucoup d'émotions. Et bien, ce sourire avait tout autant agréable, tout autant beau à voir. Chaque Elia, le héros de cette finale, 4 buts dans cette compétition, meilleur buteur du Chan avec Armel Akaishi et Fishi Katara. Donc Sachi Kanji lui aussi qui reçoit sa médaille, il aura marqué un but magnifique, certainement l'un des plus beaux de cette compétition lors du quart de finale face au Rwanda, mais le plus beau sera certainement, très certainement, celui de Meshach Elia, dont le sourire restera dans l'histoire de cette finale et dans l'histoire de cette compétition. Et Joël Kimwaki, le capitaine, qui patiente. Et c'est peut-être lui finalement qui va soulever la coupe. Et ces moments qui, pour un joueur de foot, sont évidemment inoubliables. Représenter son pays à l'échelon international et parvenir à briller, à donner de la joie à son pays. C'est ce qu'ont fait les Léopards. C'est bien lui, c'est bien Joël Kimwaki qui a inscrit son nom, plus que celui de son équipe au palmarès de cette compétition, car il devient le seul joueur à l'avoir remporté 2 fois pour 4 participations. Et Joël Kimwaki qui va soulever la coupe sous les hurrahs du Stade Amahoro, l'explosion de joie. La RDC est championne d'Afrique, la RDC remporte.